dat het ergste van de crisis achter de rug is. De tijd voor de labmiddelen is voorbij. On fait face à un déficit budgétaire énorme, en partie créé par la crise, mais surtout structurel. Les enjeux sont effectivement une gestion plus économe de la fonction publique. Il faut également remettre en question la norme de croissance des frais de santé. Les 4,5% ne sont pas tenables. Et il faut absolument lancer aussi dans les années à venir des réformes qui vont amener plus de gens sur le marché du travail. Donc des thèmes comme la prépension, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maintenir en l'état. Il faudra vraiment que dans les années à venir, on s'attaque à ces problèmes et qu'on active plus de gens dans notre système économique. Toutes les demandes quelque part du monde patronal, qu'il s'agisse de la prolongation des mesures anti-crise, qu'il s'agisse en tout cas également de l'exécution de l'accord interprofessionnel, ce sont évidemment toutes des mesures que nous portons également. Et je crois que sur l'analyse en tout cas du marché de l'emploi, etc., il y avait une assez belle convergence de vues, donc je m'en réjouis. Même en cas d'une reprise économique forte, nous devrons faire face à des déséquilibres budgétaires importants. Donc le grand message que nous avons essayé de lancer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que dans ce round budgétaire qui est devant nous, qu'on prenne également des mesures structurelles qui vont agir sur certains de ces mécanismes de dépenses à long terme.